La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. Ok, plus rapide la prochaine fois. J'ai réfléchi. D'après les calculs de Monarque, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral... Vous serez figé. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarque ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je regarderai. J'arrive pas à croire si je peux vous en décoder un contact aussi facile. Tu peux le faire. Jack, j'ai désactivé la sécurité et déverrouillé les grilles de la tour radar. Prévenez-moi quand vous y serez. Merci, Bess. Je dois me rendre à la tour radar.
Bon. Prochain arrêt, la tour radar. Super, encore une. C'était le dernier. Bess, je suis dans la tour radar. Où est le labo? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Waouh, sérieux? C'est un repère de super méchants ou quoi? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requins. Merde! Ah, voilà. J'ai encore le coup de main. Bess, je m'apprête à prendre l'ascenseur. Je vois que Paul aime toujours autant s'écouter parler. Ouais, il parle de son plan de secours. La foule est pendue à ses lèvres.
Jack, le réseau de sécurité locale vient de s'activer. Il y a quelque chose qui cloche. Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Seren avait donné l'ordre à Hatch de me tuer, pour ne pas risquer de compromettre son plan. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai réalisé l'ampleur de ce plan. Je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarch avaient commencé en 2010, au même moment qu'un autre événement d'importance. La Zone Zéro.
elle sait pas où. On va essayer. De sortir par là. J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté. Docteur Amaral doit plus être loin. Pas d'alarme. On dirait que personne ici n'est au courant du grabuge que j'ai fait en arrivant. Bien joué, Bess. Voilà le bureau d'Amaral. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. La fin du temps était imminente. Elle surviendrait dans les 24 heures, tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Ah, merde. Amaral est à la fête. L'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Passez-moi la facture. Je savais que la couverture de Bess ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. Très bien. On dirait que j'ai trouvé ma sortie.
ce que j'avais à faire, c'était traverser le garage. Ça paraissait plutôt simple. Contact ennemi ! Allez, Jack. Concentre-toi. Quelle merde ! Échappé. Il se trouve actuellement dans le garage de... Cherchez les vêtements. Je répète, Jack Joyce s'est échappé. Il doit être arrêté à tout prix. Bougez, ennemi, terminé. L'alerte va pas arranger mes affaires. Je dois filer d'ici. Oh, merde. L'alerte a certainement tout verrouillé. Je peux peut-être la désactiver. Tout à fait ce qu'il me fallait. Bess, j'ai votre équipement. Et le docteur Amaral est à la fête. Oui, je viens de l'avoir. Vous voulez être mon cavalier? Avec plaisir. Gardez-moi une saucisse cocktail, je vous rejoins. Seren a terminé son discours et il sait que vous êtes libre. Il vient à votre rencontre. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Je vais l'occuper, mais passez sur la fréquence de Monarque pour être sûr de ne pas attirer son attention. J'ai Joyce est ici, Bess, terminé. J'ai de la compagnie. Super.
C'était le dernier. Riverport, c'est encore Teresa. J'ai avec moi un bagel bien frais, une grande tasse de café, des serviteurs formidables, et tout va pour le mieux dans la vie. Salut Teresa, c'est Spencer. Donnez-moi la position exacte de Joyce immédiatement. Numéro 1 Monarque va l'intercepter. Ici Homeguard 5, je viens de le voir entrer dans le réseau de tunnels situé derrière le parterre. Je suis en route. Il vient de quitter. Et toute mon escouade. Envoyez tout de suite des renforts. Encore. Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Je devais trouver un moyen de m'y rendre. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronon de Monarque. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Mes pouvoirs sont sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Réplique.
pouvoirs seront sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Mais le paquet sur la sécurité. Je ne peux pas être pas de Je dois pas rester là. C'est le moment de bouger. Voilà. Ça va déjà mieux. Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan ? Il fallait que j'intercepte le docteur Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarch me repère. Il doit bien y avoir moyen de franchir ce portail.
C'est la seule entrée du tunnel par laquelle Joyce aurait pu passer. Surveillez la sortie. J'y vais seul. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'aide ? On a vu de quoi Jack était capable. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. S'il rejoint le continent, on le perdra définitivement. Surveillez la sortie. Bessou est quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. Ce ne sera pas long. Assurez-vous que tout se passe bien ici. Vous savez à quel point cette fête est importante pour nous. Je ne veux pas dépasser les bornes, monsieur, mais je n'aime pas ça. Vous devriez prendre quelques hommes avec vous. Même enfermé, Joyce est dangereux. Merci, mais vous vous inquiétez pour rien. Je peux m'occuper de Jack Joyce. Quel enfoiré. Mais il m'a offert une chance. Le discours de Monsieur Seren avait fait un tabac. La fin du monde approchait, mais la petite sauterie suivait son cours comme si de rien n'était. Calme, Jack. Ça va. C'est moi. Bon sang. Regardez ça. J'espère que ça vous plaît. Ces gens n'ont aucune idée que j'ai détruit la moitié du parc d'attractions de Paul. Ouais, mais Monarque le sait. C'est sûr que ma couverture ne va pas faire mon feu. Ouais, je pense pas qu'elle sera utile pour la suite de toute façon. Bon, le docteur Amaral est quelque part dans le manoir. Trouvons-la. Avec un peu de chance, on aura filé avant qu'il nous repère. Ok, je vous suis. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé ? Il y a un ponton d'amarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. Merde ! Ce drone ! Il
est au mauvais endroit, au mauvais moment, littéralement. Jack, le docteur Amaral est là-dedans. On doit la faire sortir avant que le temps reprenne son cours. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, docteur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Ah, oh non! C'est pas vrai! C'est en train de se produire! Vous, vous êtes Jack Joyce! Vous êtes là pour me tuer! Non, mais vous venez avec nous, on a besoin de vous. Non! Vous n'avez pas le choix. Il est où ce putain de bateau? Juste là. Allez-y. Faites-la monter à bord, je tiens. Venez, arrêtez. Vous finirez par payer. Merde. Entrez. C'est John. Il a réussi à nous échapper. Ne laissez pas s'échapper. Prévenez vite, monsieur Sien. Filez dès que vous pouvez, d'accord? J'ai la cible dans ma ligne de mire.
Jack, il ferme la barrière. On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous. Je m'en occupe. Filez dès que vous pouvez, d'accord ? Jack, ferme la barrière. On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous. Je m'en occupe. Filez dès que vous pouvez, d'accord ? Confirme que la cible est éliminée. Jack, il ferme la barrière. On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous. Je m'en occupe. Filez dès que vous pouvez, d'accord ?
réplique? Ouvrir cette barrière. La barrière est toujours fermée, qu'est-ce qui se passe? Je sais, j'y travaille toujours. Tenez bon. Y aller. Je peux revenir vite. Pour vous aider à... Non, allez-y. On s'est donné tous mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il lui arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Mon plan était simple. Un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que Monarque mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous vivants pour la prochaine étape. On verra bien ce qui se passe. C'est reparti. Cible de notre chose, terminé. Ah.
Maintenant que Bess et le docteur Amaral étaient partis, il était temps que je mette les voiles. Et pour ça, il me fallait une caisse. Les voituriers.